Wow! Cool! J'adore les pop-its! Hein? Tout le monde en a un! Oh, j'en veux un moi aussi! Ah, oh! Quelles sont les nouveautés? Eh! Une offre à moins 50%! Hein? Oui? Hop! Regarde, maman! Hors de question! Ce sont des gadgets ridicules! Oh, mais maman! Ah ah! J'ai une idée! Hop! Je vais en fabriquer un moi-même! C'est encore mieux! J'ai besoin de ça aussi! Je suis un inventeur de génie! Oh, oh. Pyro? Regarde, maman! J'ai fait un pop-it! Quoi? Pardon, maman! File dans ta chambre! D'accord, maman! Mais c'est pas juste! Hein? Oh, mon bidon! C'est l'heure du goûter! Trop bon! Ah, mais bien sûr! Je vais peindre les œufs! Oups! Vite! Il me faut un peu de sucre. Oh, du coca. C'est exactement ce qu'il me faut, là. Oh, qu'est-ce que c'est? Dégoûtant. Pyro? Où est-il? Dans la chambre? Hein? Quoi? Les œufs? Oui, maman. Oh. Oups. Je vais prendre quoi pour faire un pop-it? Oh, ça, ça pourrait faire l'affaire. Hop. Je sais ce que je vais faire. Ma couleur préférée. Oh, c'est pas grave. Je vais avoir le meilleur pop-it du monde. Quoi? Quelle journée pourrie! Oh non! Super! Ça suffit! Mon Dieu! Pardon, non! J'en ai assez de tout ça! Je vais lui en acheter un! Quoi? Déjà? Hop! Bonjour! Ce pop-it est pour vous! Oh, cool! Merci, maman! Oh, mon chéri! C'est trop nul! Hop! Génial! C'est mieux que les pop-its! Oh, cool! Oui! Je veux ça, maman. Encore ces bêtises? Jamais. Je vais en fabriquer un. Oh, où est mon portable? Il faut que je lui commence ça tout de suite. Qui ça pourrait bien être? Je vais aller voir. Qui est là? Bonjour, ma chérie. C'est ma mère! Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ma mère! Vite, on doit tout ranger! Ouch!
Tu cherches quelque chose? On n'a pas le temps de s'amuser. Oups. Oh mon Dieu, c'est quoi cette tâche? Je ferais mieux de la cacher. Oh non! Où est-ce que je peux? Aha! C'est à moi, à moi, à Lisa, à moi. Hors de ma vue, hors de mes pensées! Non, non, non! N'importe où, mais pas là! N'importe où? Oh! C'est la cachette parfaite! Cette fois-ci, on a moins de déchets que d'habitude! Super! Je vais les cacher sous le tapis! Si elle ne les voit pas, elle ne s'inquiétera pas! N'est-ce pas super futé? Est-ce que ça va partir? Non? Bon, je n'avais pas beaucoup d'espoir de toute façon. Si tu ne peux pas la faire partir, recouvre-la. Génial. Ou pas. Il faut bien être débrouillard. Tada! Je ne peux pas perdre plus de temps. Heureusement que notre réfrigérateur est vide. Tu es prêt? Oui. Ouvre la porte. Coucou maman! Qu'est-ce qui a pris aussi longtemps? Bonjour. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oh, je vais m'asseoir, ne t'inquiète pas. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que vous avez fait sur le canapé? Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la plante que je t'ai offerte la dernière fois, non? Comment oses-tu? Aurait-il préparé de la soupe? Bien sûr que non! Ok, je vais cuisiner pour eux. Incroyable! Heureusement que je suis venue avec tout ce qu'il fallait. Il est temps de se mettre au travail. Quelle bande de petits cochons! Ça ne les embête pas d'utiliser des choses abîmées? Regarde ça! Mes pauvres enfants! Ils doivent avoir des problèmes d'argent. C'est mieux. C'est... mon jean de créateur? Ne me remercie pas. Ce fromage est moisi. Les enfants. Mon Dorblou! Qui lave les poils comme ça? Non, cela ne va pas le faire. C'est mieux. Maman! Attends, Lisa, ce n'est pas grave. On en achètera une autre. C'est dégoûtant! Heureusement, j'ai apporté mes affaires. Non! Stop! Non! Pourquoi pas? Comme vous préférez. C'était tellement génial de vous voir, les enfants. Oui, pareil pour nous. Merci. Bye bye. À bientôt. Bon, c'est vrai que la maison a l'air bien plus chaleureuse. J'ai fait du bon travail. Un visiteur? C'est maman? Pourquoi est-ce que tu ne m'ouvres pas? La meilleure idée du monde! Non. Maman! Attends, quoi? Non! À qui est ce bébé? C'est bizarre. On va aller chercher ta maman, ma petite. Gauche, droite. Gauche, droite. Je suis coincée ici, maman. Oh non, ma princesse.
glace. Hein? Aïe. Trop maladroite. Wow. Tu vas bien? Bien sûr. Alors on peut continuer. Gauche, droite, gauche, droite. Elle ne peut pas être sa fille. Allons plus loin. Je suis repu. Tes pancakes préférés. Qu'est-ce que c'était? Finis ton assiette. Bien sûr, maman. Oh, mon petit bébé. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Hein? Plus vite, plus vite. Ton dessert. Waouh, merci maman. Cette fois-ci, je vais te regarder. Non, je ne crois pas, non. Viens. Wow. C'est mon tour. Santé. Santé. Oups. Non. Ta mère ne peut pas être ici. Excusez-moi. Maman. Ma chérie. Merci beaucoup. Pas de problème. Bye bye. J'adore les fins heureuses. Non, plus d'enfants, s'il vous plaît. Elle est bizarre. Salut, Piro. Oh, salut. J'ai adoré le message que tu m'as envoyé hier. Maman! J'arrose les fleurs, ne t'occupe alors, pas de par moi. Par rapport au film... Quel film? Maman! Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Service de nettoyage. Je ne vais pas te laisser sortir comme ça. Va te laver. Absolument pas. Ok, alors... Une jeune fille comme toi n'a pas besoin de tout ça. C'est bon. Je n'en reviens pas. Mais je suis une fille intelligente. Et j'ai mes secrets. Tada! Mon rouge à lèvres préféré. J'arrive. Pas si vite. Maman! Salut. Absolument pas. Comment peux-tu sortir si tu n'as pas fait la vaisselle? Et Piro est prêt à marquer un but. Oups. Eh bien, si personne n'a rien vu, il ne s'est rien passé. Aïe. Enfin. Allons-y. J'arrive. Ah, cette fille alors. Mon objectif principal est de ne pas réveiller maman. Oups. Attention, doucement. J'y suis presque.
ici, jeune fille. Oh non, encore. Assieds-toi. Regarde-moi. Rien? C'est bizarre. Ok, tu peux y aller. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? 6 heures du matin! C'est une blague! Elle est vraiment obligée d'être aussi bruyante un samedi matin! Elle est trop égoïste! Je n'en reviens pas! Ça suffit! Je m'en vais! Je ne vais pas rester ici une seconde de plus! Elle peut rester toute seule avec ses cours de fitness! Hein? Je vais lui manquer, mais je ne reviendrai pas! Comment est-ce qu'une personne peut être aussi égoïste? N'est-ce pas un peu trop tôt pour une visite? J'arrive. Laisse-moi rentrer. Maintenant, ne fais pas de bruit. Je ne comprends pas. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, n'est-ce pas? Non! Comment peut-il dormir?